Méditation, pratique du Shiva Lingam pour l'éveil du chakra racine. Il existe dans le yoga spirituel et toute pratique initiatique une série d'exercices appelés les moyens habiles. C'est-à-dire que l'on se sert de certains supports pour développer certaines facultés en nous. Le Shiva Lingam est une pierre à la fois en forme d'œuf allongé, de phallus, de menhir. Cette pierre symbolise la puissance divine sous son aspect créateur. La pierre elle-même a des propriétés vibratoires subtiles, émanant du jaspe rouge et du grès. Ceci doit avoir une influence sur nos corps éthériques et astraux. Cette pierre roulée dans un fleuve de l'Inde prend cette forme au cours des années d'érosion naturelle. Pratiquons maintenant. Vous vous placez dans une position confortable, favorable à la détente, à la méditation. Paume des mains tournée vers le haut. Vous contemplez le Shiva Lingam placé au centre du mandala. Vous êtes totalement présent à votre contemplation. Vous vous imprégnez de l'énergie du Shiva Lingam. Vous êtes attentif. Voyez le Shiva Lingam au centre du carré jaune, aux quatre coins du carré jaune des carrés rouges, symbolisant des pétales de lotus. Revenez au centre, totalement attentif au Shiva Lingam. Puis, vous fermez les yeux. Vous vous concentrez sur votre chakra racine au niveau du muscle du périnée. En cet endroit, vous visualisez un Shiva Lingam au centre d'un lotus rouge à quatre pétales. Le Shiva Lingam s'élève sur un cube jaune. Au centre, le Shiva Lingam posé sur un cube jaune. Le tout entouré d'un lotus à quatre pétales rouges. Tout en contemplant le Shiva Lingam, répétez-vous intérieurement « Je me relie à la puissance divine créatrice de toute vie ». Je me relie à la puissance divine créatrice de toute vie. Puis vous sentez l'énergie qui émane du Shiva Lingam, qui rayonne dans toutes les cellules de votre corps. Sentez cette énergie chaude et bienfaisante qui vous régénère intérieurement, vous revitalise. Cette énergie rayonne au-delà des contours de votre corps physique, vous entourant d'une aura rouge qui vous rend invulnérable.
sentez cette puissance invisible qui vous habite intérieurement. Tout en contemplant le Shiva Lingam au centre du lotus rouge, vous prenez conscience de sa lourdeur, de sa pesanteur. Vous en avez une perception quasiment tactile. En même temps, vous prenez conscience de votre squelette qui représente votre lien avec la terre. Votre squelette est la partie la plus dense de votre corps physique. Il symbolise l'éternité en vous, votre moi immuable qui voyage de vie en vie pour finalement réintégrer le divin. Vous allez recevoir un objet qui symbolise le travail que vous avez à accomplir sur le plan spirituel lors des prochaines années. Vous savez que cet objet se trouve à l'intérieur du Shiva Lingam. Vous plongez à l'intérieur du Shiva Lingam, soit que vous trouviez une porte qui vous permette de pénétrer à l'intérieur, soit que vous traversiez sa paroi un peu comme un fantôme passe muraille. Maintenant, vous êtes à l'intérieur du Shiva Lingam, un peu comme dans une caverne. Là, vous apercevez un escalier qui s'enfonce dans le sol. Vous descendez cet escalier. Vous débouchez dans un autre univers. Dans cet univers, vous vous dirigez intuitivement vers un objet qui symbolise votre travail spirituel à accomplir lors des prochaines années. Peu importe que ce soit des personnes qui vous donnent cet objet ou que vous vous serviez vous-même, vous avez maintenant cet objet dans vos mains. Vous le regardez attentivement. Vous en ressentez intuitivement la signification. Vous gardez avec vous cet objet. Vous vous dirigez vers l'escalier que vous remontez. Vous vous retrouvez dans le Shiva Lingam, vous en ressortez. Vous avez conservé avec vous l'objet que vous contemplez de nouveau. Plus vous le contemplez, plus vous en comprenez la signification. Puis vous contemplez de nouveau le Shiva Lingam. Vous ressentez cette puissance divine qui vous habite intérieurement. Vous êtes rempli de cette force vitale chaude et rougeoyante. Vous êtes bien, très bien, plein de force et de vitalité.
puis vous effacez ces sensations, ces images. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous ressentez bien votre front, l'espace entre vos deux sourcils, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pied. Vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La séance est terminée.